Je vais aller sur la page 40. Donc vous avez éventuellement la palette page, menu fenêtre, page, menu window, pages. Vous pouvez double-cliquer sur la page 40, qui est en fait la première page du texte en flux continu, puisque les deux pages avant ne sont pas vraiment liées aux pages suivantes. On a vu, hein, il n'y a pas de lien qui relie la page 39 et la 40. C'est à part, c'est la table des matières. Donc je suis sur la page 40 et je vais prendre l'outil texte. Alors quand vous êtes avec l'outil texte, je vous rappelle que si vous voulez bouger la page sur l'écran, il va falloir utiliser la touche Alt et non pas la barre d'espacement sur le clavier, la touche Alt. Quand vous êtes avec l'outil texte activé. Alors ici, on va juste modifier un peu le premier grand titre. À la place de le terme, qui me fait un peu trop penser à la politique belge, je vais changer ça. L'expression devient courante. Oui, alors dans InDesign, vous n'avez pas de correction grammaticale. Donc si j'avais oublié de mettre le E ici, je suis mal. Il y a de la correction orthographique dans InDesign, mais pas grammaticale. Bon, soit vous faites le texte à l'avance dans Word et vous utilisez la correction grammaticale de Word, soit vous ajoutez un correcteur, un plugin à InDesign, une extension. Il y en a deux qui sont connus. Il y a Antidote, produit québécois. Et je réponds tout de suite à la question qu'on me pose d'habitude. Si c'est québécois, est-ce que ça peut corriger le français? Oui, parce que contrairement à ce que vous pourriez croire, certains d'entre vous, les Québécois parlent mieux français que les Français. Et l'autre produit qui, chez moi, est installé ici, c'est Prolexis. Produit français, trois fois plus cher que Antidote. Donc, pour vous, si vous ne devez pas aller très très loin dans les corrections sur du texte Antidote, c'est déjà très très bien. Voilà, bon. Ici, c'est vraiment la Rolls des correcteurs orthographiques. Il fait correction orthographique française, anglaise, typographique aussi. Donc ça veut dire que les règles typographiques, si vous ne les connaissez pas, il va quand même vous les suggérer. Analyse de contexte, de fréquence, etc. Donc ça veut dire que si vous faites des erreurs de français, il va vous le dire. Par exemple, les deux jumeaux Bogdanov. Il y a une erreur là-dedans. Non, c'est pas Bogdanov, même si certains disent qu'ils sont une erreur de la nature, c'est méchant et il ne faut pas dire ça. L'erreur, c'est de dire les deux jumeaux, parce que des jumeaux sont toujours deux. Donc voilà. Ça, certains correcteurs orthographiques grammaticaux vont en plus vous suggérer de... Et aussi vous suggérer d'autres manières d'écrire certaines choses que vous avez écrites. Voilà. Alors, vous avez corrigé ça. On va enregistrer le document. Fichier enregistré sous. On va l'enregistrer dans le dossier que vous avez mis sur le bureau. Dans le dossier d'assemblage, en fait, que j'avais créé. Vous pouvez enregistrer le document sous un autre nom. Voilà, j'appelle numéro 52. C'est toujours plus sûr. Et alors, on va aller sur la première... sur la table des matières. Vous double-cliquez sur la page 39. Vous double-cliquez sur la page 39. Et bien sûr, la table des matières n'est pas à jour. Donc avec la flèche noire, on sélectionne le bloc de la table des matières et on va la mettre à jour par le menu page, mettre à jour la table des matières. Donc c'est menu layout, update table of content, un truc du genre. Et voilà, table des matières mise à jour. Donc le titre là est bien le bon. Il ne faut pas le faire à chaque fois que vous faites une modification. Mais il faut penser à le faire, la mise à jour de la table des matières, en tout cas avant de diffuser le document. On va aller créer des sous-titres. Donc sur la page 40, vous avez une petite phrase ici que vous pouvez sélectionner. Non, il n'y a même pas besoin de sélectionner, j'ai dit des bêtises. On va juste cliquer n'importe où dans cette phrase. Comme ça, InDesign sait qu'on veut bosser dans cette phrase. Et on va aller chercher la palette des styles de paragraphe. Donc, menu texte, paragraph style, style de paragraphe.
Et vous avez ici trois styles qui sont utilisés uniquement par la table des matières. Donc ceux-là, il ne faut pas les appliquer dans le document. Ils sont ceux qui servent à formater, à donner l'aspect de la table des matières. On a fait commencer le nom du style par TDM. Et ce qu'il faut appliquer à ce paragraphe, c'est titre de second niveau. Voilà. Titre de second niveau. Et voilà donc un titre de second niveau. OK. Je suppose que ça a fonctionné chez tout le monde. Vous cliquez avec la flèche noire à côté de tout. Comme ça, rien n'est spécifiquement activé dans le document. À côté de la page, vous cliquez avec la flèche noire. On va un peu réorganiser la table des matières et les styles. Par exemple, titre de second niveau, ce serait peut-être bien qu'il soit en dessous de grand titre. Comme ça, on respecte un peu la hiérarchie. Corps du texte en dessous de titre de second niveau. Voilà. Image dans le flux, c'est un peu à part. On peut le mettre en dessous aussi. Voilà. Grand titre, titre second niveau, corps du texte, image dans le flux. On peut activer les quatre styles et on va les glisser dans un groupe. Voilà. On va faire la même chose pour les styles de la table des matières. On les active, clic, majuscule, clic, on va les glisser dans un nouveau groupe. Et voilà, et pour des magazines, des styles, on peut en avoir quelques dizaines et ça peut aider de les regrouper comme ça. Ça peut aider. Ouais, je réorganise aussi dans la table des matières titre TDM titre premier niveau, je le mets avant TDM titre second niveau. Techniquement, ça ne change rien dans le document. C'est juste pour vous, c'est peut-être plus facile. Alors, comme on va devoir souvent appliquer là dans les minutes qui suivent le style titre de second niveau, ce serait peut-être intéressant de lui mettre un raccourci clavier pour ne pas devoir cliquer chaque fois dedans. Donc, on va double-cliquer sur le nom du style titre de second niveau dans le doc. Hein, c'est bien celui-là. Hein, c'est pas celui qui commence par le mot TDM. C'est pas celui qui commence par le mot TDM. Titre de second niveau. Voilà. Au passage, vous voyez qu'il y a un parentage de style, c'est-à-dire que si je modifie la police de caractère du corps du texte, donc le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document, il est probable que ça va modifier aussi la police de caractère du titre de second niveau. C'est l'enfant du style corps du texte. C'est du parentage de style. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est le raccourci. Donc, je vais indiquer un raccourci. Donc, essayez éventuellement majuscule, touche majuscule et la touche 1 du pavé numérique. La touche 1 du pavé numérique. Voilà. Majuscule 1. Alors, ceux qui ont vu mon ordinateur là, qui n'est d'ailleurs pas très récent, hein, mon ordinateur, c'est un truc qui date de 2013. Hein, c'est pas un tout récent, mais vous avez peut-être vu que j'ai un clavier allemand sur l'ordinateur. C'est un Qwertz. Bon. Mais ça n'a pas d'importance parce que je n'utilise pas ce clavier. Parce que j'ajoute un clavier étendu, un clavier blanc, je le connecte avec un fil. Un clavier sans fil, ça marche aussi. Je le connecte à l'ordinateur pour avoir un clavier avec toutes les touches. Parce que quand on est dans un logiciel comme InDesign, pour vraiment faire un travail sérieux, on a besoin de toutes les touches, notamment ici, vous voyez le pavé numérique, pour attribuer un raccourci clavier à un style. Alors la question que vous posez, c'est pourquoi est-ce que vous vous retrouvez avec un Mac avec un clavier QWERTZ? Ben, parce que les Macs d'occasion sont moins chers en Allemagne. Ils sont garantis 6 mois, ils sont moins chers qu'ailleurs. Donc ça, c'est intéressant de le savoir.
Donc, je dois en être à mon sixième Mac que j'achète d'occasion en Allemagne et j'ai vraiment pas à me plaindre. Ça marche très bien. Déjà, à la base, en Allemagne, il y a moins de taxes sur l'électronique, l'informatique. Donc, déjà, à la base, le neuf est moins cher, mais en plus, l'occasion. Et vu que c'est un gros marché, ça vaut vraiment la peine par rapport à aller au petit magasin d'occasion du coin que vous connaissez sans doute. Les prix seront à peu près 30-40% moins chers en Allemagne pour la même chose. Donc, on ne parle pas d'économiser 50 euros ici. Hein. Alors, on va cliquer sur OK. Et on va pouvoir appliquer le sous-titre à différents endroits. Donc vous allez avoir la liberté de l'appliquer où vous souhaitez. Le principe, appliquez-le à, on va dire, à 5 endroits différents. Mais il va falloir l'appliquer, on va dire, 3 fois après le premier grand titre qu'on a là sur la page 40 et on va dire 3 fois aussi après le second grand titre. Donc je vous montre le principe, hein. On ne va pas trop s'occuper du sens. Je vais simplement faire quelque chose qui d'ailleurs se fait dans les vrais documents, c'est prendre un extrait d'un paragraphe pour en faire un titre. Donc voilà, je sélectionne ça, je fais une copie, je me mets juste à la fin du paragraphe précédent, j'enfonce la touche retour chariot sur le clavier, donc la grosse touche entrée, je colle et je fais le raccourci. Majuscule 1, et ça marche. Même pas besoin d'avoir la palette style de paragraphe affichée, en fait. Je vais le faire à d'autres endroits. Voyons un peu ça. Le sens précis. Allez, je vais prendre ça comme titre. Je me mets juste au paragraphe précédent, touche entrée, je colle. Majuscule 1. Voilà. Etc. Je vais faire le troisième ici. Alors là, oui, là c'est particulier. Si je veux mettre un sous-titre juste après une image, je vais peut-être avoir difficile d'aller cliquer, mais là ça marche quand même. J'ai réussi à cliquer sur le bord de l'image et mettre le curseur vertical. Et si ça ne marche pas, il faut se mettre sur le paragraphe qui suit avec la touche, la flèche gauche sur le clavier, vous remontez, voilà, à cet endroit-là, éventuellement. OK. Je colle. Majuscule 1, et voilà. Alors, les styles de sous-titres pourraient être déjà déterminés dans un document Word. Vous avez quelqu'un qui rédige pour vous dans Word, il est possible qu'il ait déjà indiqué les sous-titres, des styles. Ils sont récupérables dans InDesign. Au moment de l'importation du document Word, on peut faire la correspondance des styles. Il existe aussi, avec InDesign, il arrive un logiciel qui s'appelle InCopy, qui est un InDesign très simplifié. Donc si vous avez installé toute la Creative Cloud Adobe, vous avez Adobe InCopy. C'est une version très simplifiée de InDesign à destination de la personne qui fait la rédaction. Ça veut dire que pendant que vous êtes en train de bosser dans votre InDesign, quelqu'un va pouvoir, dans InCopy, faire de la rédaction et déjà appliquer des styles. Et quand vous importez dans InDesign, c'est nickel. Maintenant, si vous êtes le seul à faire le document, ça n'a aucun sens de passer par Word ou InCopy. Vous n'avez qu'à tout faire dans InDesign, c'est pas interdit. Alors ici, regardez ce qui se passe. Je parlais de l'automatisation de la mise en page. Dès que je transforme ce paragraphe en un sous-titre avec majuscule 1, il passe à la colonne suivante. Voilà. Pour éviter que le sous-titre se retrouve en fin de colonne avec très peu de lignes en dessous. C'est réglé comme ça dans ce qu'on appelle les options d'enchaînement. On va aller jeter un coup d'œil là-dessus si vous voulez. J'ajoute encore un ou deux sous-titres là.
Si vous cliquez à côté de tout avec la flèche noire, vous allez pouvoir aller dans la palette des styles de paragraphe, menu Type, Paragraph Styles, et double-cliquer sur le style titre second niveau. Ici, sur le côté, vous avez ce qu'on appelle les options d'enchaînement, les Keep Options. Et vous devriez voir qu'on a demandé non seulement que toutes les lignes du paragraphe restent ensemble, donc on n'est pas un sous-titre qui démarre en fin de colonne et qui continue sur la colonne suivante, qui est coupé entre les colonnes, c'est foireux. Donc ligne solidaire a été enclenchée. Mais en plus, on a augmenté ici le nombre de lignes pour dire qu'il doit y avoir minimum 5 lignes en dessous du sous-titre. Et si InDesign n'arrive pas à le faire, il fait passer le sous-titre à la colonne suivante. Donc ça, si c'est bien réglé, au niveau de la mise en page, ça vous automatise déjà pas mal les choses. Alors, on a mis des sous-titres, on va enregistrer le document, et on va mettre à jour la table des matières, et normalement, les sous-titres devraient apparaître. Donc j'enregistre le document, toujours dans le même dossier d'assemblage, en changeant éventuellement le nom. Avec la flèche noire, je sélectionne la table des matières sur la première page. Je demande menu page, mettre à jour la table des matières, menu layout, update, table of content. Voilà, elle a été mise à jour. Et comme prévu, vous avez toutes les nouvelles entrées de la table des matières qui apparaissent.